et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. J'aimerais accueillir tout spécialement aujourd'hui ceux qui viennent pour la première fois dans cette église à l'occasion de leur passage à Paris. Qu'ils soient vraiment les bienvenus. Nous sommes heureux de prier avec vous. I would like to welcome English-speaking people too, that will be participate to this mass with us. Nous sommes ensemble le corps du Christ et nous nous préparons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les trois visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Il a ressuscité d'entre les morts. Parole
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » On vous oubliera. En effet, quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. C'est étonnant qu'il nous faille apprendre à prier. On pourrait penser que prier, c'est comme une chose naturelle au cœur de l'homme. Or, pourtant, nous voyons que les disciples demandent à Jésus « Apprends-nous à prier » et ce, parce qu'ils ont vu Jean-Baptiste apprendre à ses propres disciples à prier. Et de fait, la prière est le lieu d'un apprentissage. Pourquoi cela? Parce que la prière, c'est tout simplement un être naturel et fini comme nous qui nous adressons à un être surnaturel et infini. Comment pourrions-nous connaître naturellement, spontanément le langage de Dieu? Et c'est pour ça que Jésus va acquiescer lorsque les disciples lui demandent d'apprendre à prier et va leur apprendre précisément ce Notre Père que nous venons d'entendre dans l'évangile de Luc et que l'on trouve également dans l'évangile de Matthieu. Et au fond, cela nous permet de méditer aujourd'hui sur la grandeur de cette prière qui nous est laissée. Quelle grâce lorsque nous savons que Jésus nous a laissé les mots mêmes qui nous permettent de nous adresser à son Père. Nous sommes certains de ne pas nous tromper lorsque nous disons le Notre Père, parce que précisément, c'est Dieu qui laisse à l'homme le pouvoir de s'adresser à lui. Qui mieux que Jésus pouvait connaître ces mots qui touchent juste et qui font de la prière du Notre Père une prière totalement à part dans la prière chrétienne, à tel point qu'il serait bon que toute prière humaine puisse s'attacher d'une manière ou d'une autre au Notre Père. Alors si Jésus nous laisse le Notre Père, quelle attitude spirituelle va-t-il induire par ses paroles? Je voudrais avec vous regarder trois attitudes que Jésus apprend à ses disciples, trois attitudes spirituelles en leur laissant le Notre Père. La première attitude, c'est une attitude d'indigence. Il s'agit pour celui qui prie de reconnaître sa pauvreté. En effet, vous l'avez peut-être remarqué, le Notre Père, que ce soit dans la version de Luc où il y a 5 requêtes ou dans la version de Matthieu où il y a 7 requêtes, ce sont toujours des demandes. Quand je prie le Notre Père, c'est pour demander quelque chose. Dans la conscience du chrétien traîne quelque part l'idée que
C'est une prière qui est une sous-prière. Souvent, des chrétiens disent « Oh, je prie, mais je prie que pour demander. » Je voudrais aussi être capable de prier pour louer, pour rendre grâce. En fait, je ne fais que demander, ma prière est intéressée. Pas du tout. La prière, par excellence, est une requête. Parce qu'elle est une reconnaissance que nous ne pouvons pas obtenir par nos propres moyens ce que Dieu peut nous obtenir. La requête, elle est chemin d'humilité. Parce qu'elle place notre finitude devant la grandeur de Dieu. Oui, il y a des choses que je ne peux obtenir par moi-même et que je vais requérir à Dieu. Voyez-vous, dans la petite parabole que Jésus va prendre juste après notre Père et que nous avons entendu, c'est la parabole de l'ami important, et bien on voit que dans cette parabole, Jésus prend l'exemple de cet homme qui finalement répondra à la prière et de son voisin, parce qu'il n'aura pas beaucoup de choix. Et il dit, mais vous qui êtes mauvais, vous répondez aux prières parce que finalement vous êtes importuné, mais Dieu lui est tellement plus grand. Vous l'avez entendu, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Voilà que l'attitude fondamentale du priant devant Dieu, c'est cette attitude d'indigence. Je reconnais ma pauvreté et je reconnais dans le même mouvement la richesse d'un Dieu qui peut me donner ce que je ne peux obtenir par moi-même. Voilà une première attitude. Il y a une deuxième attitude qui est magnifique aussi, que Jésus veut nous laisser lorsque nous prions. C'est l'attitude de l'audace. Regardons les demandes du Notre Père, elles sont audacieuses. Aurions-nous nous-mêmes le courage, par nous-mêmes, de formuler ces prières? Donne-nous chaque jour ce pain qui nous fait vivre. Pardonne-nous nos offenses. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Voilà des prières qui sont audacieuses. Et probablement, notre audace dans la prière ne serait pas suffisante si Jésus ne nous avait pas permis d'être audacieux. Il vous souvient dans la première lecture de l'attitude d'Abraham qui veut réclamer le salut de Sodome et qui donc va dire à Dieu, comme dans une négociation, vous savez, on est presque dans le sceau de Jérusalem, bon, il y aura peut-être 50 justes, oui, mais s'il n'y en a pas 50, il y en a plus 45, est-ce que tu le feras? Puis 40, et puis 30, peut-être qu'il n'y aura que 20 justes, mais tu ne vas pas détruire la ville pour 20 justes, et peut-être 10. Mais voilà, Abraham a manqué d'audace. Parce qu'il s'est arrêté à 10, il n'y en avait pas 10, c'était juste dans Sodome. Mais si il avait plus d'audace, il serait descendu jusqu'à 1. Un seul juste suffit pour que toute l'humanité la vive le voyant en Jésus. Il est le juste. Et au fond, voyez-vous, il y a ce manque d'audace peut-être d'Abraham qui n'a pas osé descendre suffisamment dans sa négociation. Voilà cette deuxième attitude, attitude d'audace qui finalement développe chez nous la vertu de la foi. Croyons-nous vraiment que nous pouvons obtenir beaucoup lorsque nous demandons beaucoup? Et c'est ce que nous faisons dans le Notre Père. Et puis une troisième attitude plus subtile peut-être, c'est l'attitude de l'ajustement à Dieu. Peut-être êtes-vous, comme moi, surpris que finalement, Jésus nous dise ce qu'il faut dire à Dieu. Parce que, comme je vous l'ai montré, ce sont les prières qui nous sont données par Jésus pour nous adresser à son Père, mais finalement, ce n'est pas les nôtres. Moi, si je veux demander autre chose à Dieu, est-ce que Dieu me contraint de lui demander des choses que finalement il est sûr de pouvoir obtenir puisqu'il m'a dit ce qu'il fallait demander? Est-ce que je suis vraiment libre dans cette prière? Eh bien, voyez-vous, le Notre Père, c'est un apprentissage progressif à demander à Dieu ce qui convient. Voyez-vous, à toute fin d'évangile, vous le reprendrez, mais Jésus le dit, il s'agit au fond de demander l'Esprit Saint. Nos prières sont parfois des prières quelque peu égoïstes, ou inajustées, ou capricieuses peut-être. Et au fond, en nous donnant notre Père, Jésus nous
chemin spirituel injustement, apprendre à demander ce qui est juste à Dieu, plutôt que de réduire Dieu à une sorte de borne automatique de réponse aux questions. Voilà un discours qui fait du Notre Père cette attitude d'ajustement progressif à Dieu, un chemin de sainteté. Voilà, chers frères et sœurs, ces trois attitudes que Dieu nous apprend. Une attitude véritablement d'indigence, de pauvreté pour un chemin d'humilité. Une attitude d'audace pour un chemin de foi. Et une attitude d'ajustement pour un chemin de sainteté. Quand nous redirons tout à l'heure de Notre Père, et que je l'introduirai par ces mots mêmes qui sont ceux de la liturgie, comme nous l'avons appris du Sauveur, redisons ce Notre Père en le recevant vraiment du Christ, parce qu'il vient de Dieu et qu'il nous mène à Dieu.
par sa résurrection, notre démon, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances de haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, et plus particulièrement sur Marc Bassène, dont nous célébrons une messe d'action de grâce, nous implorons ta vie. Père, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec le Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au bout des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur.